et ils vont savoir les conduire aussi humainement. Les Toulonnais dans leur vestiaire avec Teddy Bobby pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas encore gagné. Le bouclier, ils en rêvent évidemment pas rassasiés. Ils en veulent. Face au stade Rochelet, Toulon-La Rochelle, c'est votre affiche du samedi soir. La bataille pour le bouclier. L'arbitre prêt également, Luc Ramos, est là pour diriger ce grand match, ce Toulon-La Rochelle. À Bayonne, c'est parti pour 3 semaines de feu. En pression sur le jeu aérien de Brice Dulin, d'un autre côté sur un jeu au Pierrazan, on connaît toute la difficulté. Sauteur aérien cette saison, mais il n'est pas là, il est blessé. On va s'appuyer sur Charles Olivon en premier sauteur. La transformation du jeu rapide avec une perte à la Inouissé. Quatrième réalisateur du top 14, c'est lui qui s'élance et qui ouvre ce marqué point. Toulon mène 3-0. La de Skelton est dérojeté. Ballon finalement canalisé. Attention à Reda Wardi. Reda Wardi qui prend place dans une ligne d'attaque du rugby club toulonnais qui vient de perdre un ballon intéressant. Médé sur l'aile maintenant, David Leitz qui tape au pied. Le ballon qui reste en l'air de jeu. Oh la couverture à une main ce ballon. Qu'un ballon disponible à utiliser par Adrit qui relève pour Tawara Carvalho. Le jeu dans le dos, la remise à Taylor. Non, le stall. Oh il a franchi. Un autre lancement et finalement c'est bien exploité. Et voilà comment La Rochelle mène au stade Félix Mayol 7 à 3. Une incertitude, un intervalle finalement que Astoy va évidemment se charger de prendre. C'est bien fait. Toujours premier bloc de saut mais c'est finalement au fond et c'est volé. Et c'est dévié par Oscar Jégou. Ballon volé dans l'alignement par les Rochelais. Stage en cours pour les Toulonnais, Alain Louisset choisit l'axe. De loin, de côté. Et le voilà qui ramène le rugby club toulonnais à un point. Avec un ballon intéressant, pourquoi pas négocier par les Toulonnais. Bras cassé, il n'a pas laissé la mêlée. La prise de Jégou qui s'est bien envolée dans les airs. Stop devant, stop. Derrière, sur numéro 8 argentin, la tour à la limite. Monsieur Ramos l'a joué avec un avantage pour les Toulonnais. Bon avantage. Benganoukou, le ballon relevé au contact avec Garbici qui a trouvé Jaminé. Munition récupérée par les Rouges et Noirs. Gratté. Complètement annihilé l'action. Carbarlo. S'appuie. Okay, de Brice Dulin. C'est bien réalisé, même si maintenant il faut défendre face aux Toulonnais. Non. Baptiste Serin. Pour l'instant, on tapait ou alors on allait chercher les extérieurs. Là, il apporte une autre façon de... Qui traîne dans la zone, Monsieur Ramos qui veille. Oh, la passe aveugle dans le dos. Baptiste Serin, ça joue toujours, non? Vous l'avez rappelé, Marie-Alice, cette équipe rochelaise. Peu d'essais dans sa globalité. Peu d'essais aussi à l'extérieur. 3 points qui place. C'est Noël qui s'est invité, repris. Et sous les sifflets, Antoine Astoy se charge de cette pénalité. Qui va passer 12 à 10. Encore un ballon qui traîne. Mais qui est finalement conservé. Renversement. Alain Houssé a du monde dans son dos. Épaulé par Gros. Et on défend deux joueurs rapidement. Les rushs les repartent. Jégou est déjà là. La passe en fait contact. Une passe supplémentaire. Dlidlitz. Deuxième essai des Stormers avec le Super Rugby. Un joueur qui marque un deuxième essai transformé par Antoine Astoy. Pour Jégou, la capacité à Jégou à être puissant, à libérer les bras pour Astoy derrière, puis Dylan Leeds. Tout est parfaitement réalisé. C'est parti avec une longue frappe très haut dans le ciel de Bayonne. La voilà. Et alors forcément. Il est monté. Il est monté le Toulonnais, mais il est. Le coup de patte dans le dos, il l'a vu, il l'a lu, la récupération. Dulin. Attention, le rideau rouge et noir est en place. Efficace, diablement dangereux. Le stade Rochelet fait mal avec Adrit qui relève pour Skelton. Bon plaquage. Monsieur Ramos s'est déplacé. Avantage pour La Rochelle. Nouvel essai, peut-être, et c'est oui. Le 3e.